Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Factorio avec le mode Space Exploration qui est vraiment génial. Encore merci au développeur qui a fait ça. Je rappelle qu'on fait cet épisode ce let's play parce qu'ils ont annoncé l'intégration dans le jeu Vanilla à partir de l'été 2024. Et nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024, 7e jour de live sur ce magnifique mode. J'ai vu un truc passer tout à l'heure en générique de jeu, de menu. On voyait des postes électriques avec des petites loupiotes, comme si c'était Noël. Tiens, faudrait que je prenne la photo, ça serait assez fun. Et puis on reprend, on a fait quoi comme technologie? Les nanobots, oui, parce qu'on recherche aussi ce mode. C'est un mode, vous avez la liste dans les lives et dans les épisodes de YouTube. Puisque tous les lives sont décomposés en VOD, pour toi, YouTube. Bon, nous sommes le 28e épisode. Précédemment, nous avons fait la pétrochimie. On a commencé à fractionner le pétrole lourd, enfin le pétrole brut plutôt, en pétrole lourd. On a préféré celle-là, c'est la nouveauté. Avant dans Vanilla, c'est divisé en trois catégories d'office. On avait du lourd, du léger et du gaz, du débrouille. Là, on peut faire soit beaucoup de pétrole lourd, soit beaucoup de pétrole léger. J'ai choisi le lourd. Et les reliquats de léger et de gaz arrivent là. Ça rejoint ici la raffinerie qui traite le pétrole lourd en gaz pour faire du soufre et du plastique. Là, c'est propre. Et de ce pétrole lourd, on fait du lubrifiant. Pour l'instant, il alimente les deux premiers magasins. Donc ici, nous avons les convoyeurs, les insérieuses et plus loin, assembleuses, pétrochimie, minage. Et depuis peu, au niveau des fours, on a les fours électriques. On en a 158. On va peut-être upgrader. Tiens, on va peut-être upgrader la production. Ça va limiter la pollution aussi. On y va. Il me reste combien de carburant? 310 combustibles transformés. On consomme. J'ai deux turboréacteurs sur le dos, je crois. Ouais, j'ai deux jetpacks MK1. Ah, on peut faire du MK2, MK3 peut-être? Oh, arrête. Fais-moi rêver. Alors, on va aller chercher les petits fours. On va se poser. On va tout prendre. On va peut-être même faire le chemin en briques, tiens. Puisqu'on y est. Et re à tous. Et la bise à Tofi2 qui est reparti du coup. Et Angélie, tu me disais en off, du coup, contre les astéroïdes. Bon, là, je mets des canons pour l'instant qui protègent un tout petit peu. Plus tard, on aura les canons globaux. 8 unités suffisent. On verra comment ça marche. On va continuer le chemin. Alors là, c'est une erreur. Mais c'est pas grave, les erreurs. Je devrais les garder. C'est bien plus rigolo. Voilà, on suit à peu près. Hop. Et je sais ce que j'ai oublié. Les nanobots, il ne va plus en rester des masses. Faut que je fasse gaffe à ça. Tu me fais un petit chuchotement, d'accord. Faut savoir aussi, Angélie, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais tu fais des lives sur ce jeu toi aussi. Alors nous horaires ne concordent pas, sinon je passerai te voir évidemment. C'est sympa de se retrouver comme ça. Donc si vous voulez suivre les vidéos d'Angélie Tenebrae, allez voir sa chaîne sur Twitch. Je sais pas si tu live beaucoup. Donc les nanobots, il m'en reste combien? 240. On a fait les briques. Et on va voir un truc, les fours. Est-ce qu'ils partent de la pollution? Voilà, les primaires font pollution 2 par... c'est quoi, par minute? Ou 2 par mètre? Pour les 2 de distance par mètre, là on passe à 4. Et là, on repasse à 0,5, c'est vraiment minime. Ça, c'est cool. Par exemple, si on va ici, qu'est-ce qu'on a comme production, là? Le cuivre. On avait mis exprès des bras. Puis là, ça va être du boulot. Ils sont beaucoup plus gros. On va voir un endroit éclairé. Le fer est éclairé. Voilà. C'est des bébés qui sont la moitié plus gros. Du coup, j'ai des convoyeurs jaunes. J'en ai un petit peu. Je pense que ça va être fun. On va se ranger un petit peu ça. Et on va aller améliorer tranquillement. Tenshura 59, j'ai pensé à toi, mais je ne te trouvais pas dans mes listes Discord. Je sais pas, des fois je vois des gens dans Papa Gaming. Je t'aurais prévenu, ça commence. C'est le deuxième épisode du live. Salut mon grand.
Et Angélie, miaou, miaou, tu fais des lives tous les jours, toi, ok. Vers quelle heure, c'est le hasard, toi aussi? Est-ce qu'on va faire ça à la main, ou est-ce qu'on dit à nos bottes... Ah, il faut être feignant. On va donner un ordre. On va leur dire, arrête, déjà. Ah ouais, alors, sans tout détruire. Quoique. On va leur dire d'arrêter de les nourrir. On va refaire proprement. On va en faire un et on va dire stop le charbon. Puisque le four, lui... Four en acier, four électrique, n'a plus besoin de charbon. Donc ça, c'est la liberté totale. On va carrément tout enlever, hein. Comment ça, je suis plein? Oui, c'est vrai. C'est pas génial comme idée. On va virer le cuivre. Voilà, j'aurais dû venir avec un camion. Ça aurait été bien mieux. L'enterre est plein. Ah, j'ai les yeux plus gros que le ventre. En même temps, on n'est pas loin du camion. Ah oui, il est juste là. Attendez, c'est un scandale. Hop. Alors, on a un réseau électrique vieillot qui ne sert à rien. On va enlever ça. Ah oui, du coup, c'est toi qui es plus alimenté. Bon, ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, attends. Eux ne sont plus alimentés. On va les intégrer dans le réseau électrique. Voilà, on va avoir plusieurs lignes de protection. On va bosser un peu. J'ai des poteaux, c'est bon. Là, ça rebosse. Là, on va connecter. On est OK. Et bonjour à toi, Gabuzoïde. Tous les jours à 14h. Attends, Angie, ça veut dire que tu fais un live en même temps, là? Non, quand même pas. Il va falloir que je te mette dans mes listes de streamers pour que je fasse des raids chez toi, dis donc. Ça va être terrible. Donc là, on a fait le détournement du verre, c'est bon. Ah tiens, c'est marrant, lui est plein et pas ce côté-là. Eh ben, boss. Intéressant. On revient dessus. Donc, je voudrais transformer et mettre du gros, du lourd. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ici? On va enlever nos fours en acier, du coup. Et on va mettre nos fours électriques qu'on a dans les poches. Qui sont là. Et on se pose. Et dans notre camion, bah, on va encore virer des choses. Hein. Ça, oui. Tout ce qui est pétrole, pour l'instant, c'est la pause. Je te rangeais dans l'autre, en fait, dans l'autre camion. Mm-hmm. Je regarde un peu tout ce qu'il y a. On va virer le reste de briques. Voilà. On est pas mal. Donc un four électrique va prendre le cuivre. Hop. 5, 6, 7, 8, 9. Si tu veux. On va enlever du coup tout le charbon. Voilà, on l'aspire. Hop. Et puis, bah du coup, hop. Voilà. Ça va faire une ligne de charbon disponible. D'ailleurs, je ne sais même plus d'où vient ce charbon. Oh, un tout petit stack qui ne nous sert pas. Ici, impeccable. On pourra s'en servir pour nos génératrices, alors. Ça va libérer tout ça.
on a un champ qu'on va libérer, un champ de 4 millions de charbon. Là, on est d'accord, du coup. On va faire la gestion électrique propre. On va le mettre où, le pilote ? On va le mettre là. Voilà, on connecte un petit peu plus le réseau. Un peu plus de lumière, je vois que ça attaque, je vois qu'il y a des biters, ça monte jusqu'à 15. Ah, ils approchent toujours pas, c'est bon. Bah écoute, c'est parti. On va se poser, donc on va leur demander... Ça va être chaud un petit peu ou pas? On va essayer de faire plutôt un truc propre, attends. On est parti de la droite. Clac, clac. Et ici, tu me sors le cuivre. Et on va reprendre nos beaux poteaux, du coup. Et là, on pollue presque plus. On est monté jusqu'à 4, on descend à 0,5. On va faire de l'écologie aujourd'hui, si on peut dire. On va réduire la sauce. Du coup, c'est ça, quoi. Punaise, il va falloir vraiment interdire tout ça. Alors, on va couper juste là. Le temps qu'il consomme ou pas. On va couper. Alors, on va les laisser faire. On va les... Ils vont assez vite, je pense. On consomme du cuivre, quand même. On a pas mal de charbon, on va les laisser travailler un petit peu. Alors le fer et cuivre, c'est facile, après il y aura l'acier, ce sera double combo. Voilà, ça s'alimente. On va le laisser comme ça. Tu m'écoutes d'une oreille, Angie? Oh là là. Alors que tu fais ton live quand même, c'est pas sérieux. Ton public te réclame aussi. Moi, ce qui me réclame, c'est le plaisir de jouer. C'est vrai que c'est fun. Hein. Oh, que ça fait du bien de s'abuser là-dessus. Donc, si je fais ça, évidemment, c'est à cause des biters. Hein. Moins de pollution, moins d'ennuis. Elles sont énormes. Je ne sais pas s'ils ont prévu un autre modèle, d'ailleurs, encore. Ah bah oui, on avait fait ça. Alors attendez. Peut-être faut en faire plus alors. Je suis full. On va ranger un peu tout ça. Voilà. On va vider tout ça dans le camion. On récupère même. Ça, c'est vrai qu'il est bien ce transporteur là. Quand même pratique. J'aime des chargeurs qui traînent, un peu de bois. Ce qu'on va faire, c'est qu'après on va faire bosser des nanobots. On va se faire une copie de celui-là. On va se créer un plan. Ça m'étonne, j'en ai pas fait. Industrie. Four électrique. Bah si, tu vois. Ce sera ça, le prochain chantier. Là, c'est vraiment la mise à jour. Ok. Les panneaux. Ah, j'avais mémorisé ça. Les batteries, ok. Ok, ok, donc là ça produit sans charbon, c'est plus safe. Pareil là, il y a des coupures électriques ici, comment ça se présente? Non, ça vient d'en bas. Ah, j'ai mon poteau ici. On va l'amener. Voilà, pour pas qu'il y ait de coupure. Et là on peut débrancher.
On est bon. Et on va dire aux nanobots, du coup, tout. Doucement, doucement, parce que je me connais. Ouais, ça va être rempli, attends. On va y aller doucement. Ah, vivement les robots, hein. J'ai hâte, là, d'arriver. Qu'ils fassent tout le boulot pour moi. Là, c'est bon aussi. On va se mettre même en super consommation de carburant, après tout, on s'en moque. Tac. Allez, Nanobot, nettoyage complet. C'est parti. Et puis, on va se faire une petite mise à niveau comme ça. Tac, tac, tac. Là, c'est bon. Il n'a pas enlevé le poteau. Est-ce que j'ai encore un peu de place? Est-ce qu'on peut absorber le charbon? Apparemment, c'est bien. Productivité minière de niveau 2 terminée. Cool. On range ça. Et on va se créer un blueprint. On va se créer un petit blueprint. Juste ça. L'intérieur. Juste les 8 là. Après, on upgrade. Et mise à jour. Électrique. Voilà, on laisse le four en pense bête. On se le crée. Et on s'installe ici, du coup. Et là, si je décale un peu, ouais, on va travailler un peu les lignes d'arrivée. On va voir ça. Oh, mais c'est Chalana qui passe. Bonjour, Chalana. Oh là 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 là. Et tu offres des abonnements à tout le monde, tu rinces. Tu offres à Appelez-moi V, mais oui, celui Appelez-moi V, Muxfred, bonjour à toi. T'es toujours là, Ragonet. Et John James Preston, bien, c'est cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Chalana, c'est une amie que j'ai rencontrée sur Dual Universe, c'est une créatrice voxel, qui est connue là-bas et qui a été nommée d'ailleurs par Dual Universe pour ses beautés féeriques. Tu vas bien? Mais oui, bonne année, gros bisous. Ah, c'est sympa que tu passes. Bonne cinglinglin, ouais, ouais, c'est bien, tout ça, tu vois, je suis encore dans les usines, je m'en sors pas. Comment ça se passe pour toi, Dual Universe, du coup? Je viens aux nouvelles maintenant que je te vois. T'avais des soucis, t'avais perdu plein de choses autrefois. Et est-ce que tu t'en sors, du coup? Merci à toi, en tout cas, ta générosité, c'est super sympa. Et voilà, ça arrive, ça sub. Ah voilà, le soutien du tech pour des vidéos. En plus, comme ça, on papote, on fait nos trucs entre nous. On va essayer d'amener ça le plus droit possible et on va mettre le maximum de fonderie si on peut. Et du coup, la mise à jour, bon, elle est là pour l'instant. C'est malin, je suis perturbé. Bon, alors on va rajouter encore un petit peu. Je vais t'appeler Chalana en coup de vent si ça continue. Encore en mettre un de plus, on sert au max. Voilà, on va charger ici. Les bras sortent le cuivre. Et du coup, c'est le paradis du tech. Ah oui, attends, on a fait un blueprint sans bras en bas. Je les ai pas copiés. On va retravailler ça. C'est pas dramatique. Et donc tout le monde sort son cuivre, c'est le principal. Et on va remettre un poteau. Hop là. Et là pareil, on va resserrer encore. En tout cas, super content de te voir. Ça fait plaisir. Tu as repris? Ah, ils t'ont aidé? Oh, arrête, ça me fait envie. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Donc t'as tout récupéré? C'était quoi déjà la corruption? T'avais perdu tes blueprints, ta salle d'expo? Me voir sans rien dire, mais t'as pas le droit. Arrête.
Tu sais que je fais un petit jeu sur des fées qui se diffuse en ce moment sur ma chaîne YouTube et qui s'appelle Five Farm. Bon, je l'ai fini sur Twitch, mais si t'aimes bien l'esprit féerique, tu peux regarder ce petit jeu si ça te plaît. Hein. Si t'es curieux de voir si c'est un jeu qui peut t'occuper l'esprit. Hop. Et voilà, ça bosse. Ça va être long, ça va être long. On va donc détruire le premier blueprint. Poubelle. On le recommence. Comment j'ai pu rater ça? Donc j'ai bien les bras en bas. Tout est vert. Ok. Mise à jour chalanesque électrique. Puisque t'es arrivé pour me perturber. Je l'enregistre. Et je crée le plan. Voilà. Est-ce que tu peux me dire si Dual Universe est toujours autant taxé, par exemple, tu vois? Parce que revenir dans ce jeu pour s'amuser à voyager, c'est bien. Alors, ce que t'as perdu, tu l'as perdu. Ton atelier, tes stocks. Ah oui, d'accord. C'est complètement ouf. On va virer les tapis rouges, tiens, on va ranger ça, on va faire de la place. On va essayer d'aller un peu plus vite. Tout le temps que ça prend. On va faire ce du bas. Hop, c'est parti. Ça va. On va prendre ceux-là, on va les virer. Je suis au camion. Ah, mais il est quasiment full. On va avoir un problème. Rien n'a changé de l'univers. Les taxes locales, quotidiennes. Ah ouais, non mais. Combien de planètes de nouvelles depuis? Puisque qu'on avait fait la bêta ensemble dans cette aventure, on avait tout le système complet. C'était génial. C'est là que ça manque peut-être un peu. On va aspirer le charbon. Ah, c'est un épisode détente, hein. C'est vraiment parce que c'est après les fêtes, hein. On va se dire ça. Vous autorisez le tech. Et on va coller. Là, on n'a pas le choix. C'est déjà un peu plus agréable. Alors, c'est vrai que je l'ai fait en plus sans coller les... Je l'ai pris sans les convoyeurs, c'est pas vrai. Je suis un peu tête en l'air aujourd'hui. J'ai vu d'ailleurs qu'un de mes contacts, l'univers, joue toujours à ça aussi. Toujours à fond, l'univers. Bah, j'ai trop de jeux sympas en solo, surtout que j'ai découvert un jeu l'autre jour sur Twitch, je me suis mis, toujours un jeu d'usine, hein. Tectonica, c'est vachement sympa aussi, mais c'est pas artistique. Par contre, les grottes sont belles, elles sont très belles. On va peut-être évacuer, il nous reste encore le haut, ça commence à être mieux. Hein. Est-ce que c'est urgent de faire ça, ou est-ce qu'on laisserait pas les robots faire? Tu veux que je fasse tout ce cuivre. Tout le charbon que je récupère, on va le transformer. Voilà. Après tout ça, hop. Voilà. Le minerai, on le récupère lui. Et on va le redistribuer. Voilà. On va laisser les robots faire plus tard. On va juste finir cette ligne-là de cuivre, juste pour le fun. Puisque là, tout est prêt. Et puis comme c'est une usine qui est un peu au nord, ici, l'usine de traitement de fonte de minerai, ça va peut-être calmer les biters. Ça serait pas mal. La dernière mise à jour sur Dual, ils ont rajouté Sicari et Sinen. Ah oui, de cet été, ok. Il en manque encore quelques-unes, quoi. On est d'accord. Alors, mon blueprint que je vais refaire une troisième fois, je le sens. Bon, ça, c'est bien.
L'avantage, c'est que c'est vachement mieux. Et que si on regarde la pollution, est-ce qu'on voit une différence? Pas trop. Mais ça a piqué un peu moins fort en haut. Ça, c'est ok. C'est devenu une usine un peu plus propre. C'est pas mal. Je suis en train de me poser la question, notre pétrole qui tombe depuis tout à l'heure, comment ça se passe les stocks? J'ai pas mis de lumière. Ah tu vois, j'ai pas mis de lumière. Ça c'est pas bien. Chaque citerne fera retravailler. On repassera à mettre des lumières. Même là ça manque. Je regarde si je peux en insérer. Quand je repasserai, ça se mettra tout seul avec les nanobots. Là on est ok. Et du coup, on voulait voir le réseau logique, les quantités. On est à 72 000 de lubrifiant, on est à 162 000 litres de pétrole jaune. Et en armement, est-ce que le classement de dégâts, c'est de gauche à droite? Le pétrole brut fait 100% de dégâts et t'en as un peu plus de pétrole lourd. Encore mieux avec le pétrole léger. Et le top, c'est le rouge, là, le pyroplastique. Tu as joué à Factorio, Shalana? Ah, bah écoute. Alors, le jeu Technotnica, qui reprend un peu Usine Building, là, qui est sorti récemment, c'est plus inspiré de Factorio que de Satisfactory. Il faudra faire de la gestion avec des bras robotiques, il faudra faire un bus, pareil, j'ai l'impression. Est-ce qu'on reprendrait pas le léger pour faire de la défense au lance-flammes, du coup? Ça fait une demi-heure qu'on est dessus cet épisode. On pourrait travailler là-dessus. Et comment on repartirait? Il faudrait atteindre la défense ici. Là-bas, ça va être du boulot. Et là, c'est ça que je veux protéger. Alors, heureusement que tout à l'heure j'ai galéré, mais j'ai quand même des trucs sympas. On va repiquer des trucs ici. On va copier ceci. J'aimerais protéger ces murs-là avec la pollution du désert. On va se faire bouffer, tout cru. Et ce serait pas bête. Voilà. On va commencer à poser les blueprints. On va chercher, du coup, on va aller en jetpack. On va voir si en 10 minutes, on est capable avec le jetpack de faire ça. Donc, du coup, moi, je suis plus au Factorio Vanilla. Je suis à l'exploration spatiale. Puisque le dev a annoncé qu'on irait dans l'espace l'été prochain dans le jeu Vanilla. Bonjour à toi David Bilout, salut! Meilleurs vœux, bonne année! Alors, Space Exploration. Un des développeurs qui s'appelle comment? Je vais vous trouver son nom. On va se mettre le jeu en pause comme ça, tranquillement. Je vais vous le chercher. On va aller dans... Oups là! Dans les modes. On va taper Space Exploration. C'est un gros mode que j'ai intégré. J'ai toute la liste dans le live en fait. C'est Earendel. Earendel est un des deux développeurs ou trois développeurs du jeu Factorio. Et c'est lui qui s'est amusé à faire ce mode-là complet, ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ils ont annoncé donc que l'été prochain, l'été 2024, ils vont l'intégrer dans le jeu. Est-ce qu'ils vont compliquer encore les choses? Donc je m'entraîne dessus. Voilà. Et du coup, dans ce let's play, j'intègre également les véhicules. Alors, je ne savais pas que AI, c'est un mode. Je ne savais pas que c'était lui ou qui, si, il a bossé comme un malade. Vehicles. Voilà, j'ai intégré un cuirassé des derniers épisodes, j'ai intégré le véhicule Le Gardien, le fameux transporteur Le Hauler, qui est super, il est très lunaire. Je me suis dit, tiens. Également, pour dégager un peu les biters, les méchants, j'ai utilisé la mitrailleuse de Chain Gainer, qui est vachement bien. Je me suis pas intéressé à la programmation des véhicules, on peut les automatiser si on veut. Je sais pas si on le voit là. Programme. Mais il met une alerte qu'il faut reconfigurer les touches après dans le jeu, parce qu'il y a un conflit, apparemment. Donc il y a plein de choses. Plein de choses et je m'éclate dessus et c'est excellent. Et puis comme c'est le développeur du jeu qui travaille ce mode, vous êtes sûr qu'il est à jour régulièrement et qu'il manque rien pour être sadique. Du coup, dernière minute de l'épisode, on a dit qu'on allait faire un peu de défense pétrolifère parce que ça sent cramer partout. Comme on va polluer.
Là, on est parti pour essayer d'avoir les robots dans le troisième magasin. Parce que j'ai cherché un mall complet aussi. Alors, Nilos avait fait les magasins vachement optimisés pour Factorio. Nilos est parti sur Technonica à fond, là, en ce moment aussi. Enfin, il y a joué il y a 5 mois. Je sais pas s'il joue encore. Là, c'est un peu serré. On va se faire plaisir. On va voir qu'on va raccorder le tout. Hein. Et ouais, on voit que ça va arriver ici, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai trouvé un certain Vrasborn qui a fait un magasin optimisé parce que Space Exploration complique énormément les crafts. Il faut beaucoup plus de choses pour les recettes. Et j'ai fait un peu en partie test un magasin, mais c'est un bordel sans nom. On peut s'y amuser, hein, ça peut être un plaisir du jeu. Et dans le chat, nous avons Alex Cord qui s'ennuie et qui a décidé de tester un mode qui s'appelle Pianodon. Et t'es en train de souffrir, mon pauvre, puisque Pianodon, lui, quand tu fais des crafts, tout ça, ça fait de la poussière. Et si je me souviens, tu m'as dit, il fallait trouver comment évacuer tout ça, les cendres. Ça pourrait être fun aussi. C-Block, j'ai pas essayé non plus. Hein. C-Block, quand j'avais installé juste pour voir, j'ai vu plein de modes, j'ai dit, oh là là, oh là là. Finalement, faut pas avoir peur. Voilà. Donc, on s'installe une deuxième couche de défense, et puis on travaillera les lasers dès qu'on aura le nucléaire, je pense. Pour pas trop surconsommer. Il nous faudra du nucléaire pour gérer les milliers de robots qui vont se balader partout, et dans l'espace, et ailleurs. Ok, donc là, on a un premier mur. Oh, on a du pétrole ici. Voilà. On va faire ça gentiment. Tranquillement. Et alors, je vous demandais ce que faisait Shalana si vous allez sur ma chaîne YouTube. En tapant mon pseudo Télécamon, vous tapez Dual Universe, vous trouverez la playlist. Et vous verrez un ou deux épisodes dédiés sur la sculptrice Shalana. Petit coup de pub pour ce que tu faisais. Je me souviens de ta statue géante, les vaisseaux papillons, Coccinelle aussi qui était excellente, t'avais un vaisseau spatial Coccinelle. Hop. Le jeu est génial, Dual Universe. Mais quand tu veux être gérant d'une usine et faire du commerce, alors le commerce c'est bien, je m'éclatais beaucoup. Mais pour l'exploitation minière, tu payes des taxes pour garder tes tuiles. Et c'était impressionnant tellement c'était lourd et compliqué. C'est un vrai boulot à temps plein, quoi, si tu veux gérer. Surtout que moi, je le faisais en solo. Je devenais milliardaire quand même, mais en solo. Ça faisait beaucoup trop. Puis comme j'ai partagé des jeux avec vous sur YouTube et sur Twitch, ben je me suis dit, je vais arrêter. Et je remarque d'ailleurs qu'un des modérateurs du Universe qui gérait la communauté francophone de très loin, je sais pas si c'est inquiété, il n'y a plus personne qui fait tellement de vidéos en francophone dessus. Hop. Et on va placer un dernier ici. Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Ça discute. Ah oui, là, ça génère des cendres, ça réduit la puissance des centrales électriques, ce que tu me dis, à Pianodon, voilà, ok. Ça complexifie aussi les crafts, et ça ajoute une quantité improbable de contenu. Bah, c'est bien. Oui, on n'a pas géré la commune FR sur Dual Universe Shalana. On s'est rencontrés, alors Dual Universe, c'est vachement bien pour rencontrer des gens sympas quand tu te promènes et tout, puis moi j'étais en mode reporter. J'ai vraiment apprécié que ce soit les anglophones et les francophones. Les allemands, par contre. J'ai aucun contact avec eux dans le jeu, j'en ai vu aucun. Il va te falloir qu'on défende nos guerres centrales. Alors le jeu Vanilla, au bout de 4-5 parties, c'est bon, t'es à l'aise. Hein. Surtout quand tu peux faire des blueprints, c'est top. On a posé nos murs. Il va falloir qu'on alimente tout ça. On va faire une première connexion ici, du coup, on va récupérer. Hop, on va faire un peu de tuyau pour partir en haut, bien sûr. Et un tuyau pour reprendre ici. Ok. Du coup, on va faire comment? On va ramener comment? On va ramener ici. Le jaune est là. Il faudrait passer par là. Je sais pas. On va pas se prendre la tête. Hein, on va y arriver. Voilà. Et on a fini le carburant à fusée. Oh. Non, c'est un truc autre chose avant. Alors, ce qui est assez étonnant dans Factorio, quand même, qui est assez marrant, la première fois qui est déroutant, c'est qu'on débloque les technologies plus vite que ce qu'on va. On sait, c'est pas possible, on a déjà tout et on va gagner, quoi. Mais non. Mais non, parce qu'après, il faut les utiliser, les technologies. Et ça, c'est fun. Donc là, j'ai mon super blueprint de tuyau pour gagner du temps avec les coudes, pas mettre 2 heures. On va
va les coller. Et après, je viendrai en jetpack avec mon inventaire plein de coudes. On remarque mes relais de défense avec les radars quand j'avançais pour tuer les biters. Est-ce que là, ça passe? Alors là, oui. Mais ici, on a un problème. Ici, on a défendu bec et ongle. On va donc descendre un peu. Voilà. On va voir comment on passe. Je peux aller jusqu'ici. Ah, et si je passe un véhicule, il va se prendre un dégât, lui. C'est pas bien. J'aimerais plutôt le faire ici. Voilà. Je peux arriver jusque là. Alors attends, on va essayer de pas trop abîmer le truc. On va donc couper celui-là. Voilà, on va mettre ça comme ça. Un tuyau ici. Et on repart avec notre blueprint. Et ça, c'est que la première ligne. Ouais. Voilà, on reconnecte ici. Alors, Chana, tu me dis quoi? Les Allemands sur Dionysus se fondent dans la commu internationale, hormis un streamer qui stream full allemand. Bah ouais. Après, faut savoir parler anglais, c'est dur, hein. Miaou miaou, Angeli. Hop. Voilà, on arrive dans le chemin. Est-ce que je vais plus loin? Je pense qu'on va aller jusqu'à l'extraction ici. C'est quoi? C'est quoi comme champ, ça? C'est de la pierre. On va aller jusqu'au champ de pierre. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on buile, on buile, on empile des technologies de plus en plus, et je ne sais plus à la fin ce que j'ai fait. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. D'ici, on va repartir direct. Alors, on a un tuyau qui va arriver comme ça. On va partir direct de là, et on va gommer ça. Paf. Un droit et un coude. Super. L'avantage des blueprints, c'est que t'as pas le stock, mais tu peux t'amuser. Et ah, drama. Drama, on va avoir besoin d'un radar. Je réfléchis à ces histoires de radar là, attends. J'ai des pylônes qui peuvent aller jusqu'au bout. On va mettre un pylône là. On va en mettre un ici. Puisqu'on va peut-être se virer tous ces petits pylônes là. Attends, je suis en train de me dire qu'on peut peut-être reconnecter proprement l'électricité. Il y aura du boulot. Voilà, lui il arrive là et paf. C'est pas mal. Ah, excusez-moi, Mini AFK. Heureux. Alors, on revient dessus. On est sur notre connexion pétrole. Et là, on est bloqué. Ouais. Comment on est, nous, ici? On est full de plein de cochonneries. Ça serait pas mal de construire un gros entrepôt. Alors, inventaire. Parce que le petit est sympa, mais bon. On peut fabriquer un entrepôt énorme. Mais pour ça, il faut 100 béton et 200 plaques d'acier. T'as ça, toi? Du béton et des plaques d'acier. On va dans le bus. On va aller piquer tout ça. Hop, on a un peu d'acier ici. Allez. On est rendu à combien? On a quasiment 200. Voilà, et du béton. Les briques sont là. Le béton est là.
Et on peut fabriquer un entrepôt, c'est cool. Là-dessus, on va aller chercher des tuyaux. Où on range d'abord ce qu'on a comme bazar. On va ranger, l'entrepôt est fait, on va le baser. Est-ce qu'on le met dans le garage? Alors, il est caché là. Et l'entrepôt est immense. On pourrait le mettre au garage. Ah, il bloque la porte. Alors attends, on va le poser l'entrepôt en premier. On va lui dire que mon pépère, tu vas être bien. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il y a ce machin là qui gêne. Ah! Alors attends, on va faire du poteau électrique, je te raconte pas. Voilà, là c'est mieux. On finalise l'épisode en faisant un entrepôt correct. On va le mettre ici. On va y mettre tout ce qu'on veut pas. Ici, le charbon. Voilà, on va faire une petite défense murée. Toujours dans l'optique de se dire que tiens, si les biters viennent, eh ben on les attendra et on les poutrera. Ah oui, tout ça de chargeur. Voilà l'entrepôt. Ah, il est immense. On va ranger ça. Parfait. Les rails, les thermiques. Oh, c'est beau. Les moteurs, les fours. Les petits fours, les briques, allez, pareil. Est-ce que le reste, on peut le prendre? Oui. On va ranger un peu d'uranium, de cuivre, d'acier, de fer, de tout truc inutile. Les lunettes, on peut les ranger là. On les récupérera, on y pensera, hein, vous le direz. J'ai récupéré plein de coudes, ça c'est bien. Par contre, tous ces vieux poteaux, je n'en veux plus. On aura un recycleur qu'on va installer. Thermique, on n'en veut plus. Regardez, un peu de terrain. Ok. Il faudra qu'on fasse quelque chose de tout ça quand même. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Et nous, on va ranger ça. Les moteurs. Je fais un peu le ménage avec vous, j'en profite. Hein. Tac, pas besoin de ça. Ça non plus. Est-ce qu'on a d'autres choses inutiles? On va se virer ça. Le béton, on ne le garde pas. C'est un peu mieux. On va se garder. Ça, ça non. Ça non plus. Alors, on va juste garder un peu sur nous. Les tuyaux, on en récupère, oui. On va laisser les petits poissons. Le rail, on va le garder. Les convoyeurs rouges, on les garde. J'en garde une centaine sur moi. Des petits coffres. Les murs en béton, oui. Un wagon qui traîne. Là, on a un truc bof. On récupère le minerai. Donc là, ça commence à être bien... Et c'est un truc qui communiquera pas, ou à moins qu'il ait fait un entrepôt logique, ce serait excellent. C'est ça, on démonte pour faire mes choses, mais en moins polluant, Chalana. En vraiment moins polluant. On mange ça. Genre là, c'est juste des trucs qui me polluent encore. Usine d'assemblage Terre 1, au revoir. Le bois, on gâche pas, fais-moi du carburant. Et on a des résidus de plastique, de tablettes de pierre. Mon anneau émetteur, bah du coup je le range ici parce que j'ai préféré avoir un lance-flamme sur moi pour le fun. Je pense que c'est pas mal. Écoute YouTube, on va se quitter là-dessus. C'était le 28e épisode. Ouh, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait debout? On s'est promené, on a commencé à réfléchir à la défense au pétrole. On va connecter tout ça au prochain épisode en mettant un radar
et évidemment des poteaux électriques. Et on va se servir du pétrole léger en résidus. On en a quand même 225 ml. Il ne sert à rien. Et ça va servir à faire plus de dégâts de défense de lance-flammes. Ce qui veut dire qu'on va récupérer aussi le résidu qui part, la tuyauterie de pétrole qui part au nord pour les défenses. Moi, ça me va. Et puis, on va travailler tout ça proprement. On verra. On va sauvegarder. Tac. On va remettre la musique à fond pour la vignette YouTube et Twitch. Je vous dis à tout de suite. Thank you.